Alors bonsoir à toi, j'espère que tu vas super bien. Ici Fabio Lucien, c'est l'une de mes dernières vidéos que je poste avant de partir pour mon baiser de traîner le 28 janvier. Donc voilà, je sais que ça va être un peu compliqué pour vous de vivre ça au moins sur tous mes lives. Je sais que mes lives vont vous manquer, mais bon. De toute façon, je pense que quand je serai en Virginie pour mon AIT, j'aurai accès à mon téléphone. Donc je vais commencer à faire des lives. Mais pour l'instant, je vous réserve des bonnes surprises, surtout quand... Voilà, quand je vais avancer la formation, bon, je vous aurai de bonnes nouvelles, ça, ne vous en faites pas. Et comme je l'avais dit, je l'ai promis, j'ai plein de vidéos que j'ai préenregistrées, qui sont déjà sur YouTube, qui sortiront à des dates que j'aurai décidées. Voilà, donc surtout cette vidéo sur comment remplir le DS-260. J'ai fait deux versions de cette vidéo, une version où je montre mon écran et une version où je suis face caméra. Donc, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas d'excuse pour que quelqu'un vienne me dire « Ouais, voilà, en fait j'ai quasiment tout préparé pour ne pas que mon absence puisse vraiment être ressentie quoi, tu vois, je suis un bon garçon et voilà, je prends soin des gens que j'aime, d'accord, c'est pas pour vous, mais ça c'est pour moi, donc voilà. Et dans cette vidéo, je te parle de visa bulletin du mois de mars 2020, et sincèrement, pour moi, je suis personnellement satisfait de l'évolution du visa bulletin. Parce qu'à la même époque, l'année dernière, on était vraiment loin. Ouais, je ne vais pas vous mentir, on était vraiment loin à la même époque l'année dernière. Donc, le visa bulletin du mois de mars est disponible et c'est ce dont je te parle dans cette vidéo. Alors, avant de commencer, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à ma chaîne, surtout max d'abonnements. Partagez ces vidéos à vos amis, préférez-les à vos amis, demandez à vos amis de venir regarder ce genre de vidéos, partagez-les également autour de vous pour que la communauté puisse s'agrandir. Il y a longtemps qu'on est stocké à 9000 et quelques, et c'est vraiment décevant, tu vois, c'est vraiment décevant. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos sans être abonnés, donc de grâce, abonnez-vous quand si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne et voilà, faites connaître la chaîne autour de vous. Et je vais commencer à faire des vidéos militaires dès que je reviendrai dans mon basic training. Sincèrement, je suis en train de me reconvertir vers l'armée, genre faire plus de vidéos de l'armée, donc voilà. Donc si tu aimes ce genre de contenu, sache que je vais faire plusieurs vidéos qui vont vraiment qui te plaire, alors n'hésite pas, fais-toi plaisir, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, fais ce que tu veux, tu connais la chanson, blablabla. Allez, c'est parti, Fabio Lucien. Alors, comme je le disais, le visa bulletin du mois de mars 2020 pour la développeurie est disponible et l'équivalent d'un baquet current est de 31 500. 31 500 est le case number current pour le visa bulletin du mois de mars. Et comme je dis, je suis vraiment très satisfait parce que l'avancée est très bonne. Si déjà en mars, on est 31 500, alors qu'il y a quoi? S'il doit y avoir 50 000 visas qui doivent être écoulés, j'ai confiance que jusqu'en septembre, tu vois, 2020, tout le monde va passer, d'accord? Tout le monde va passer. Donc, sincèrement, c'est une très bonne nouvelle. Et si je lis un peu sur le tableau, le visa bulletin pour l'Afrique, c'est 31 500, excepté l'Égypte où ils sont à 22 000. Je sais que beaucoup de gens sont confus par rapport à cette histoire de Afrique, excepté Égypte. Moi, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que l'Afrique, l'Égypte qui est censée être en Afrique, a un case number qui est totalement différent de celui de l'Afrique. Mais bon, je pense que c'est pour des raisons être valable, tu vois. Donc sincèrement, je sais pas trop quoi dire, mais en tout cas, le visa bulletin en Égypte pour ce mois de mars, c'est de 22 000, alors que l'Afrique, et puis c'est bizarre, ils ont dit l'Afrique, si c'était vraiment un truc de peut-être séparation entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, certainement que l'Égypte, tu vois, les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie seraient tous dans le même lot. C'est curieux, je sais vraiment pas sur quelle base et parle de Afrique, excepté l'Égypte. C'est bien l'Égypte a peut-être un consulat différent, bien qu'il respecte des règles différentes de ce que du reste du monde, je sais pas. Et maintenant en Asie, c'est 12 500. Comme je l'ai dit, l'Afrique est toujours en avance. Quand tu essaies un peu de regarder tous les visa bulletins de chaque saison, l'Afrique est toujours en avance. Donc c'est pareil pour le visa bulletin du mois de mars 2020, où en Asie ils sont à 12 500, excepté l'Iran et le Népal. Du coup, en Iran, ils sont à 7600 en Iran et au Népal, ils sont à 8800. Donc voilà, ils sont vraiment très loin. Et en Europe, pour les gens qui ont joué à la développerie en Europe, le visa bulletin disponible qui est current pour le mois de mars est de 21 000. C'est pas aussi très mal. 21 000, c'est très proche, tu vois. Donc,
En Amérique du Nord, spécialement Bahamas, ils sont à 9. En Océanie, ils sont à 1625. En Amérique du Sud et aux Caraïbes, ils sont à 1300. Donc, l'Afrique est vraiment loin dans le futur. Like, nous sommes loin, way far away from all of this people. Tu vois, donc c'est vraiment très satisfaisant quand on voit un peu que voilà, en Afrique, pour ce mois de mars, le visa de bulletin de 31 500. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que toutes les personnes qui ont un case number inférieur ou égal à 31 500 doivent avoir une interview. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que au mois de février, le visa bulletin était de 25 000, d'accord? Ça veut dire que entre 25 000 et aujourd'hui 31 500, toutes les personnes qui sont dans, tu vois, dans cet espace entre 25 000 et 31 500 sont les personnes qui sont les plus susceptibles de pouvoir obtenir une deuxième lettre pour leur interview de Devil Authority. Donc, si vous êtes dans cette, je vais dire quoi, dans cet intervalle de 25 000 à 31 500 et que je tiens vraiment à le préciser, vous avez envoyé votre DS-260 à temps, c'est très important. Vous devez envoyer votre DS-260 à temps. Et encore, je prends aussi l'occasion pour vous dire que vous devez envoyer votre DS. Ça, c'est ma recommandation. Juste après avoir reçu les résultats, genre juste après le mois de mai, ça peut être juin, juillet, ou bien août, voire même septembre. Pour maintenant, donner le temps nécessaire au CACC de traiter votre dossier dans le but de pouvoir recevoir votre deuxième lettre à temps pour ne pas peut-être avoir à attendre peut-être 2 ou 3 ou 4 mois supplémentaires pour pouvoir passer à l'interview, tu vois. Donc, ma recommandation à l'endroit de tous ces personnels est de pouvoir envoyer le DS-260 très tôt. Dès que vous aurez vous aurez appris que vous avez été sélectionné, n'hésitez pas, ne perdez pas du temps. Envoyez directement votre DS-260 juste derrière. Envoyez également vos documents qui sont l'acte de naissance, le casier judiciaire et le passeport, surtout ça, le passeport. Attends, et maintenant vous faites une faveur, vous êtes là, les bras croisés, les doigts croisés, vous attendez que le KCCC vous envoie votre deuxième lettre, vous programmez pour votre interview, vous allez pour les analyses médicales, vous faites tout ce que vous avez à faire, vous allez à l'interview si vous êtes seul, en tant que seul. Si vous êtes marié, que vous avez des enfants, avec votre famille, vous allez ensemble, vous faites tout ce que vous allez faire, vous obtenez ce visa et bingo, vous venez aux États-Unis, vous commencez une nouvelle vie. Donc voilà, c'est clair, net, précis, concis, blanc, bref, tout ce que vous comptez, tous les adjectifs qualificatifs pour vous dire à quel point voilà tout ce qui devait être dit a été dit. Donc toutes les personnes qui ont un case number inférieur ou égal à 31 500, déjà à partir de ce moment, commencez à checker votre boîte mail. Il y a au moins 80%, disons 85% de chances que vous obteniez votre deuxième lettre, surtout à condition que vous ayez envoyé votre DS-60 très tôt. Permettez-moi un délai de 6 mois, 5 ou 6 mois pour que votre dossier puisse être traité, que vous obteniez votre deuxième lettre. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite bonne chance. Souhaitez-moi aussi bonne chance pour mon basic training. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais publier cette vidéo. Tout dépendra de mes humeurs et de tout ce qui va avec. J'espère qu'elle sera pour très bientôt. Et voilà, souhaitez-moi bonne chance. Je ne verrai pas, forcément pour cette vidéo, je ne verrai pas les commentaires de cette vidéo parce que je ne suis pas déjà là. Donc, faites-moi plaisir. Abonnez-vous. Amenez vos amis à voir cette chaîne, à liker le contenu, à laisser des commentaires. Voilà, moi je serai très heureux de vous retrouver derrière eux. Puis vous savez, on a tellement de choses à se dire. Je vous souhaite une très bonne soirée. Fabuleux, hein? Bye bye.